Je refuse. Mais comment ça, tu refuses? 7 millions pour 3 ans. Penses-tu que je serais cheap avec mon fils? Tu te trouves à acheter son année d'autonomie. Un joueur comme Francis peut aller chercher facilement 3,5 millions sur le marché des agents libres. Come on! Écoute, Gilles puis moi, on se disait que... Hein, Gilles? Oui, donc Francis, regarde le score. Quand il a scoré en overtime contre le Canadien, c'était votre Francis. Sacrement, Gilles, qu'est-ce que t'essayes au juste? Pierre, tu peux pas nous bluffer. Francis, il aime ça jouer pour son père. Il aime ça chez eux le dimanche soir. Penses-tu qu'il va sacrifier ça pour une coupe de 100 000? Quoi? Hey! Ce que t'essayes, là, c'est injuste, tu le sais. Pourquoi, Gilles? Parce que c'est le fils de Marc Gagnon, parce que je m'appelle Pierre Lambert, là, tu mélanges la vie privée puis les affaires. En doute. T'étais marié avec ma mère. T'en profites pour essayer de m'en passer une vite. Pis toi, Marc, je sais pas comment tu peux faire ça à ton propre gars. T'as pas honte, sacrement? Écoute, on a un budget, on peut pas faire autrement. Ouais. Mais moi, je suis pas obligé de me faire fourrer par mes propres jobs. Francis est surtout pas obligé de se faire fourrer par son père. Pis, qu'est-ce que t'en penses? Francis, il vaut 5 millions et demi pour 3 ans. On le store un peu. On le signe. J'ai dit ça, c'est-tu que j'ai dit ça? Belle. Oh, wow. Je sais pas pourquoi j'ai eu des mauvais feelings. Tu parles pas? Ça arrive des fois, des mauvais feelings, non? Y a personne d'autre dans ta vie, hein, mon amour? Pourquoi tu me poses ces questions-là? Tu sais bien que non. T'es fin, là, mais des fois, je te sens nerveux. Comme si t'étais pas bien avec moi. C'est normal que tu sois plus sensible. Puis il y a le camp d'entraînement qui s'en vient, comme je t'ai dit, là. Ça me rend nerveux. C'est juste ça. Mais c'est vrai quand le hockey recommence. Mais tu me le dirais s'il y avait quelqu'un d'autre, hein? Tu me le dirais. Annie, regarde, donne-moi ta main. Je te jure qu'il n'y a pas d'autre femme dans ma vie. OK? Ça règle la question. Correct? Oui. Ouais. J'ai juste hâte de recommencer à jouer, OK, c'est tout. OK. Es-tu là? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois le savoir. Écoute, je comprends pas, là. Ne bouge pas, là, Marc, t'allais faire son jogging. Il devrait être de retour. Hein? J'ai joué 8 ans pour le National. Il semble que t'aurais pu m'appeler, me dire que tu t'étais débarrassé de moi. Écoute, c'est pas ça qui était prévu, là. Si je pogne le petit crosseur qui parle aux journalistes, ça va aller mal. C'est ma femme qui a la primeur. Vous devez être fier de vous autres en esti. Ça fait 8 ans que je suis pour le National. Vous m'échangez pour une douzaine de hockey. Non, non, écoute, calme-toi, là. Je sais pas qui c'est qui a parlé dans l'organisation, mais demande à Bob ce qui était prévu. Eh non, Marc devait te rencontrer un matin pour préparer la conférence de presse. Les Flyers me veulent-tu vraiment ou bien m'ont réchauffé le banc jusqu'à ma retraite? Ah non, ils te veulent, puis ça fait plusieurs fois qu'ils s'essayent. Écoute, Villeneuve, on va se parler franchement, hein, on n'est pas des enfants. On t'échange parce qu'on n'est pas capable de payer ton salaire.
T'sais, c'est pas plus compliqué que ça. Ça n'a rien à voir avec ton talent. Là. Moi, je trouve que t'es un bon défenseur. Puis en plus, t'es un leader dans le vestiaire. Tu sais, ça me fait chier que tu t'en ailles. Comprends-moi bien, là. Mais tu sais, c'est pas de ma faute. C'est la business qui est rendue comme ça. Ben non, lâche-moi, Bob! Lâche-moi avec ça. Qui a pu parler de l'échange de Villeneuve, d'après toi? En qui? Calme-toi, là, gars. C'est fait, c'est fait! Salut, Michel. Salut. As-tu vu ça? J'ai vu. Tous les détails sont dans l'article. Du très bon travail de journalisme. Ben, du fouillage de poubelle, tant qu'à moi. Écoute, on était quatre à le savoir. Guilbeault, Bob, toi puis moi. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé à Nathalie Renaud? Non, on était au moins cinq. Bobby Clark à Philadelphie, c'était avec lui que t'as négocié. Puis en fait, on était au moins six parce que t'as parlé à son agent. T'en aurais pas glissé un mot à Pierre, des fois? Hey, Marc, ça fait 100 fois que je te le dis, là. Je mêle pas ma vie privée au travail. Là, c'est quoi, là? Ça prenait une femme pour parler à une autre femme? C'est ça ton raisonnement de macho? Non, pas du tout, mais je me disais des fois le manque d'expérience. Tu sais comment est-ce que c'est, journaliste, hein? C'est comme des bêtes féroces, ça. Quand ils tombent sur un morceau, ils lâchent plus, là. Le manque d'expérience. Hey, l'équipe nationale aux Jeux olympiques avec 12 000 journalistes, ça se passe comment, d'après toi? Coudon, Marc, qu'est-ce que t'as contre les journalistes? J'ai rien contre les journalistes! Non, ça me soulage, ce que tu me dis là. Non, je te disais ça pour être certain, au cas où. Je parlais pour Bob aussi, là. Oh, hey, mêle-moi pas à tes histoires, tu sais. Hier soir, avant d'aller se coucher, tu m'as pas dit un mot. Non, mais Bob, sérieux, là. Hein? Le point, c'est que je veux pouvoir faire confiance aux gens qui m'entourent. C'est clair? Ben oui, c'est clair. Bon. Écoute, si c'est pas toi pis c'est pas nous autres... Ben c'est pas Philadelphie qui a téléphoné à Nathalie Renaud, certain. Reste son agent. Ah non, la transaction a été confirmée un matin. Justement pour pas qu'il en parle aux journalistes. Ben il reste un seul suspect. C'est la presse de Montréal qui vient sortir nos scoops à Québec. Ça, je le prends pas, Jérutol. Je le prends juste pas. Il y a quelqu'un qui va payer pour son remise. Mais César peut commencer jusqu'à appris cette nouvelle-là. Je serais pas capable de supporter son petit sourire fendant, matin. Ouais, mais si je réussis à la convaincre de venir travailler au matin, il va bien falloir qu'il l'endure, son petit sourire. Toi, Maurice, là, t'as-tu une raison de sourire un matin? Non, pas trop, non. Ben, elle, oui, parce qu'elle a du scoop. OK? Ça me met le faux derrière. Puis moi, quand j'ai le faux derrière, mes boss ont le faux derrière. Puis sur qui ils tombent dans ce temps-là, mes boss? Sur mon dos à moi. Vas-tu trop vite pour toi, Maurice? Hé, hey, Lucien, hein? Je trouve que t'interfères un peu trop dans mon travail. T'as fini les séries éliminatoires sur mon dos la saison dernière. Ça marche pas de même dans un journal sérieux. Regarde, Maurice, c'est bien mal parti pour toi cette année. OK? Moi, cette année, là, m'envoie l'année dans la cuisine. OK? M'en voir qu'est-ce que le national cuisine. All right? M'en faire ce qu'un vrai journaliste devrait faire. Fouiner puis poser des questions. C'est-tu clair, ça? Maurice. Essaye même pas de m'amadouer. Je suis responsable de rien. Cherche celui qui a dit ça, petit Renaud. Ouais, moi j'ai toujours été correct avec toi et le national, OK? C'est tout ce que ça me donne, c'est de m'en faire passer des petites vites. M'a changé mon approche de la game. Oui. OK? Hein? Moi je suis capable d'aller dans les coins. Moi, je suis peut-être pas gros, mais je suis capable d'aller dans les coins. Tu vois ça que ça va brasser. Ça va brasser en Géritol. Moi, j'en connais des histoires, OK? J'en connais des histoires que j'ai jamais écrites. Ben voyons donc, Lulu, tu seras pas heureux. C'est pas ton style de faire les poubelles. Ah non? Ah non? J'ai-tu l'air heureux moi matin? Pas tellement. Bon, ben malheureux pour malheureux, au moins je me sentirai pas niaiseux. OK? Pense à ça, Marc. C'est de la philosophie, ça. OK? Maurice! Application de l'équation. Mais n'oubliez surtout pas, très important, que c'est l'exposant qui va déterminer la courbe. Bon, c'est complexe, hein? Ça se cache pas. Mais, comme le disait Rouletabille, si vous raisonnez par le bon bout du cerveau, vous allez trouver. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir. Je veux plus que tu viennes à l'université. Te déranges-tu? Oui, tu me déranges. T'es trop connue. Je veux qu'on prenne au sérieux dans mon métier, même si je suis jeune. C'est déjà assez difficile, alors si en plus on voit avec un joueur du national. OK. C'est drôle de te voir habillé de même. T'aimes mon look d'universitaire? C'est parce que je sais ce qu'il y a en dessous. C'est encore plus excitant. On se voit-tu tantôt? Non.
C'est impossible. Je suis libre. Annie travaille. J'ai toute ma soirée. Mais moi, je suis prise. Non, excuse-moi. Ah, oui, Myriam, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'exposant qui détermine la courbe de l'équation? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est quoi le mystère? Si t'as personne dans ta vie, tu caches quoi? Bye, Dani, j'ai plus le temps de te parler. Mais tu sais, Myriam, rien n'empêche l'exposant d'être variable. Non, non, je veux pas de programme allégé. Tu finis ton secondaire, point final. Je le sais que vous allez faire de l'autobus. Ça fait partie du contrat. Le hockey junior et l'école, ça vient ensemble. C'est correct. Si on se comprend, il n'y a pas de problème. Le reste, la pension, ça va? Ah, ben, t'es chanceux, mon grand. Chicoutimi, c'est une maudite belle ville pour jouer au hockey. Puis je veux pas entendre parler du reste. OK. Salut, mon gars. Michel, ça sent bon. Malheureusement, j'ai aucun mérite. C'est Mme Vendette qui a tout fait. Mme Michel et les filles ont beaucoup aidé. Oui, je suis excellente pour trancher les concombres, moi. Alors, Francis. Non, tu me déranges pas. Mon père a beaucoup changé depuis qu'il est avec toi. En mieux, j'espère. Il rit plus souvent. Il t'aime tellement, là. Il dit tout le temps que t'es une autre Suzy Lambert. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Ah oui? Ah, salut, mon Gilles. Il me semble que ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu à nos réunions. Ça va? Tu te souviens, la première fois que je t'ai appelé? Il y a 15 ans. Un vieux parrain, ça oublie jamais. Je pense que je suis sur une cité. Ben, c'est une tentation ou t'as consommé? C'est encore sous contrôle, mais j'ai consommé. Parlez à une journaliste. J'avais bu. C'est pas moi, ça. Ben, tu sais, c'est très bien, quoi. Notre maladie, on la contrôle jamais. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un poids, là. Mais tu sais ce qui t'arrive. Tu sais que t'es sur une rechute. Tu sais que je te juge pas. Tu sais que je t'aime. Tu sais aussi que t'as besoin d'aide. Je veux pas de thérapie. Comment sortir de ça? Appelle-moi dans l'arrivée à la maison en soi. OK, puis aujourd'hui, essaie pas de prendre ça 24 heures à la fois. Prends ça une heure à la fois. C'est en cause, ça. Sous contrôle. C'est toi qui le sais. C'est pas question, là. Je fais pas la grève. Hey, non, Francis, tu fais pas la grève? Tu te fermes la gueule, c'est pas pareil. Si Guilbeault pense que tu te présenteras pas au camp d'entraînement sans contrat, laisse-le penser. Ouais, mais tu connais mon père. Je suis pas le premier à sauter sur la glace, il va vouloir m'étrangler. As-tu peur de ton père? Non. J'ai peur du coach, par exemple. C'est important que tu sois payé à ta valeur. Vois-tu tes fils de marque? Si t'acceptes moins d'argent parce que tu t'appelles gagnon, ça va vouloir dire que t'es prêt à accepter de jouer moins souvent qu'à ton tour parce qu'il y a des joueurs qui pourraient chialer. Tu sauras plus jamais ce qui est juste. Non. L'argent sert à mesurer ta valeur. 7 millions ou 8 millions, ça ne changera pas ta vie. Et si tu vaux 8 millions ou 7 millions et demi, il faut que tu reçoives ce que tu vaux. C'est absolument obligatoire, hein? C'est ta mesure. Tu vaux ce qu'on te paye, la titre d'attente. Mais c'est déprimant, ce que tu dis. Ben non, mais c'est la réalité. Ce qui compte, c'est le cash. Le reste, c'est des beaux mots. T'es pas le même dans votre temps. Ben non. Nous autres, dans notre temps, les mots, ça comptait parce que les joueurs ils se faisaient arnaquer pour des propriétaires. Non, non, c'est pas du tout la même game. Enfin. Non, mais je comprends pas. On fait l'amour ensemble, mais ça te donne pas le droit de diriger ma vie. Hé, hey, je t'ai jamais vue aussi belle. Pourquoi on passe pas un soir ensemble? Je te l'ai déjà dit, les vendredis et les samedis soirs, je ne suis pas libre. Bon, tu te pousses, là, ou j'appelle un chauffeur?
T'as hâte de partir, hein? Y a-tu quelqu'un d'autre? Quand il y a quelqu'un d'autre, t'as juste à me le dire, je vais prendre mon trou. Au lieu de poser des questions enfantines, va donc rejoindre ta blonde. Ça va la rassurer. Je m'excuse. Pourquoi tu me dis jamais rien? J'ai horreur de rendre des comptes. Je t'aimerais moins si je devais dire tout ce que je fais. Comme ça. Mais personne d'autre. Qu'est-ce qui te fait peur? Faut frôler la mort pour que le vrai désir existe. Je suis pas une fille comme les autres, va falloir que tu t'habitues. J'ai 25 ans, j'ai beaucoup de responsabilités. À quelle vitesse tu penses que ça tourne dans ma tête? Non, mais moi, je comprends pas. Je comprends juste pas. Allez, rentre chez toi. Annie est chez ses parents en Abitibi. Appelle-moi demain midi. J'ai revu Pierrette hier soir. Ah ouais? C'était-tu la première fois depuis que t'es parti? La troisième. Pis, moi, ça s'est passé. J'étais encore pire. Elle a de la peine. Elle te prend pas. Ben là, écoute, c'est normal. À quoi tu t'attendais? Écris, je suis parti parce que t'es rendu tellement plate. Je me disais qu'elle devait s'ennuyer autant que moi. Ça a l'air que non. Et mon plus jeune aussi, là. Ah ouais? Il est rendu à quel âge, lui, là? 15. Pierrette qui parle tout seul le soir. Ah ouais? Pierrette qui t'a dit ça? Peut-être qu'elle dit ça met de la pression. Elle dit qu'elle veut, c'est que tu reviennes à la maison le plus vite possible. Marc, elle a peut-être raison. Ah, hein? Oh, les femmes, Bob. Je vais te dire une chose, les femmes, c'est génial, mon étibet en chum. Hein? On se fait jamais chier, on peut dire tout ce qu'on veut. Ouais, Michel est pas chiant, par exemple. Michel, c'est pas une femme, c'est un coach. Guilbeau me le dit souvent. Michel, c'est pas une femme, c'est un coach. Regarde-moi, là, j'ai deux pieds sur le bureau, là. Peut-être que je pue des pieds. On s'en sac-tu? Hein? Ben, moi, ça fait un mois que je vis chez vous, puis je t'échangerai n'importe quand contre une belle femme, là, qui m'aimerait, là. Ah, là, tu me déçois, Bob. Moi, je pensais qu'on faisait un petit couple stable. Oups! Est-ce que je peux savoir ce qui est si drôle? C'est des affaires de gars. Ouais, moi, je dirais plutôt, c'est des affaires de bas. Je comprends pas. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. Wow! Je me sens comme à l'école. Penses-tu qu'on peut bouger un peu? Ben oui, les enfants dorment. OK, comme ça, je peux t'embrasser un petit peu. Hein? Pas fort. Ça te tente. C'est quoi ça? C'est ma chat. C'est ma chat. Je sais pas ce qu'elle fait, là, mais ça fait à peu près 6 mois qu'elle fait ça. Mais c'est stressant, ma chat dort pas. Ben, écoute. Ma blonde couche dans mon lit. J'ai 40 ans, j'ai bien le droit. Tiens. Ben, briser le mur, sinon on le fera jamais. Je suis pas certaine que je suis à l'aise, on entend ta fille. Ça te tente pas. Ben, je commence. Hein. Attendez, je vais te parler. T'es pas drôle du tout. J'aurais t'engueulé comme un petit garçon. C'est que... Quoi? Tu t'es mis là, Casanova. Bon, allez. Je vais me coucher, tu viens? Comme ça, pas d'explication, rien. T'arrives de où? Ça, Danny, c'est mes affaires. Ça te regarde pas. Donc, continue à faire l'amour et dormir un peu ou tu rentres chez toi? Tu décides. Garde, je suis pas un enfant d'école qui fait tout ce que sa maîtresse lui demande. OK, ciao. Danny? T'es sûr que tu le regretteras pas?
sais très bien que j'ai rien en dessous. Tant pis. OK. Valérie. Ouais. T'as pas le droit d'avoir une blonde. Il m'empêchait de dormir parce qu'il parlait trop fort. Ça arrive que les parents parlent le soir dans leur chambre? Regarde là, c'est pas ma mère. J'aime beaucoup quand même. Elle parle bien, elle s'écrit bien. Elle est vraiment cool, Michel. J'ai parlé avec, là, puis elle comprend les filles. Bon matin. Salut. Viens donc manger avec vous autres? C'est Monsieur Gilles Guilbeault. Oh, c'est... Excusez-moi. Oui. Je suis contente que tu sois là. Mais ça fait deux filles de contentes. La troisième, je suis pas certaine, non, mais... C'est normal, elle est adolescente. Ah, tu connais ça, toi? Ben oui, je suis contente, là. C'est juste que j'aime mieux garder mes émotions en dedans. Je trouve qu'on peut mieux les analyser. Mais ça, ça s'appelle de l'introspection. C'est très rare pour une fille de 13 ans. Yeah! J'aimerais ça qu'on règle le cas de Francis ce matin, là. J'aime pas ça quand un gars arrive en retard au camp d'entraînement. On dirait que ça donne des mauvaises vibrations puis ça part mal l'année. Ben là, c'est toi qui l'as voulu. Francis meurt d'envie de jouer, tu le sais. Bon, on va se parler franchement, là. OK? Je veux bien augmenter, mais pas comme tu veux. Après tout, Francis, c'est pas Bob Gainé. Hey, parle-moi donc de Guy Carbonneau, on va se comprendre. Bon, c'est pas pareil. Carbeau, c'était le capitaine du Canadien. Hey, Gilles, l'année passée, là, quand Ludano faisait chier tout le monde, là. C'était qui le vrai leader du club? Qui c'est qui s'est battu pour les autres? Gilles Fortier, sacrément. Coudonc, Gilles. Qu'est-ce que t'essaies de prouver, là, que t'es capable de tout contrôler? OK, OK. 5,5 millions pour 3 ans. Mais j'espère que tu réalises que c'est de l'argent en sacrement, ça, pour un gars qui a scoré 32 buts dans les 3 dernières années. Mais je t'avertis, pas une scène de plus. Reste en ligne, je l'appelle. Ouais, c'est Pierre Lambert. 7,5 millions, avec une clause de bonus. Hey, bonus, j'ai pas parlé de bonus, moi. 100 000 si mon gars score 20 buts. 25 buts, 50 000, 25 buts. Francis, 50 000 pour 25 buts. Ça marche? Parfait, on ferme le deal. Hey, Francis, rentre au vite au Colisée, là. La pratique commence dans 1 heure. Gilles? C'est un marché honnête. Si tu le dis. T'allais trop vite? 80 km dans une zone de 30. Votre permis puis vos enregistrements, s'il vous plaît. C'est parce que je suis en retard à ma pratique. C'est l'ouverture du camp d'entraînement du National. Je suis Danny Bouchard. J'haïs ça, le hockey. Puis vos histoires de joueurs de hockey, je les connais toutes. Ça fait qu'attendez un peu, je reviens tout de suite. Mademoiselle, vous savez, pour l'étiquette, c'est parce que ça tombe bien mal pour moi. Je devrais pas être dans le bout un matin. Je peux pas donner de détails, là, mais votre femme se poserait des questions en ouvrant l'enveloppe, c'est ça? C'est ça. Moi, les gars qui couraillent pendant que leur femme s'occupe des enfants à maison, là, j'haïs ça encore plus que le hockey. On n'a pas d'enfants, puis elle est pas à la maison. De toute façon, c'est pas de mes affaires. 80 dans une zone de 30, c'est dangereux. Bon, OK, j'ai trop parlé. Arrivé une fois dans une vie. On n'est pas pour adapter ça toute la saison. Je veux juste que les choses soient claires. Quand c'est confidentiel pour tout le monde. Je te fais confiance, tu me fais confiance, puis on parle pas. Les fuites d'un journaux, ça donne jamais rien de bon. Ben, c'est réglé. OK, parfait, c'est réglé. Tu sais, des fois, on prend un verre de trop, puis on se met dans le trouble. Hey, dis pas ça. Bon, on prend un verre de trop, puis je mets personne dans le trouble. On est d'accord? Ouais, ouais. En tout cas, tu sais ce que j'en pense. Francis, l'as-tu rencontré? Oui, oui, Francis, il est content. Il reste juste Templeton à signer. Mais le gros Max, ça sera pas un problème, j'ai parlé, là, puis... Pierre a l'air de vouloir tenir son bout, mais on verra bien. Puis, attends-tu encore? La première pratique de la saison, c'est toujours la meilleure. Après pas ça, tous les autres se ressemblent. Comme disait Piton, il n'aura pas de facile. Ouais. Ça sera pas un long discours, on a toute la saison pour se parler. L'année passée, on s'est rendu en finale de conférence avec un goaler, 18 joueurs, puis du cœur. Ben du cœur. On a encore le goaler, Alex. On devrait avoir 16 des 18 gars. Il voudrait juste à nous prouver qu'on a encore du cœur. Bon, écoutez, c'est pas compliqué. D'après moi, il y a deux jobs à prendre.
Je vous dis pas lesquels. Vous avez juste à nous montrer que vous êtes capable de faire ces jobs-là. Détail en passant, ceux qui me connaissent le savent. Quand je dis rien, c'est parce que je suis content. Ça fait que si je suis un mois sans vous parler, là, ça veut pas dire que je vous aime pas. Ça veut dire que je suis content. OK? Ah! Next word! Go on, guys! L'as-tu vu? Pas de nouvelles. Ah, merci. Chaud! Laisse faire, tu pratiques pas. Je me suis fait coller par un gars, l'étiquette est dans le vestiaire. Hey! Niaise-moi pas, OK? Un joueur du National n'a jamais étiquette de la police de Québec. Tu sais, ça sera la première fois en 30 ans. La police de Québec donne jamais un ticket à un joueur du National. Alors, tiens ça, la prochaine fois, tu trouveras autre chose. C'était une femme à l'ISO, là, OK? Hey! Tu sais que t'es dur, le compreneur, toi? Étiquette, ça prend 10 minutes, t'es une demi-heure en retard. Oh, et déshabille-toi, va pédaler. Oh, et décuisse! Hey! Pas de génie. Première pratique. Ferme la porte. C'est ça. Hey. OK, Mike. All right, guys, circle up. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Pas un show, là. Oui, oui, des estrades. Fais-toi une flip sur ton Kodak, show. Tu vas prendre des photos de loin. Lulu, pas une parade de mode ici. All right, that's Coach Gagnon. He's always right. When he's wrong, he's still right. Back to work. Bon, ben! Pouvez-vous m'expliquer tous ces déplacements-là? Hein? Natacha à Berlin, Elena à Minsk, Ludmila à Saint-Pétersbourg, Olga à Moscou, avec des comptes de dépenses exorbitants, remboursés par l'agence de Georges Larianoff, alors que techniquement, ces filles-là représentaient l'entreprise de ma mère. Qu'est-ce qui se passe ici, M. Ivanovitch? Madame Maroussia avait une entente avec Georges Larionov. Nous aidions ces jeunes femmes à faire une carrière et M. Larionov remboursait les frais. Incluant les salaires? Incluant les salaires. OK, mais c'était quoi l'intérêt? C'est pas mon travail de poser ce genre de questions. Hey, toi, tu vois tout le monde. Ça m'est déjà arrivé de manquer des pratiques, mais jamais la première de l'année. J'espère que la fille valait la peine parce que ça va te coûter l'amende maximum. C'est même pas une histoire de ça, fille. Ça, je m'en sac. Moi, je trouve que t'es trop, mais sois à l'heure. Saison de hockey, c'est long, c'est pas facile. All right? Right. Tu peux y aller. Allô? Suzy? Marc? Excusez. Je te dérange pas trop, là? Non, 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 tu le croiras pas, mais te parler va me calmer. Ah ouais? Écoute, je voulais m'excuser pour l'autre soir. Je pense que j'ai été un petit peu pesant. T'as été Marc Gagnon. T'as pas à t'excuser quand je t'ai connu tout à l'heure. Alors, je suis contente d'avoir de tes nouvelles. Toi, t'as dû avoir une grosse journée, là, l'ouverture du camp d'entraînement, c'est quelque chose, quand même. T'es au courant de ça? Je suis la sœur de Pierre Lambert, puis mon ex-chum a été le coach du National, là. T'en penses? Ah ouais, j'ai été bien occupé, mais... J'ai quand même eu le temps de penser à toi. Écoute, Suzy, si jamais ça donne, peut-être qu'on pourrait se revoir. J'ai quelqu'un, là, puis c'est important. Non, non, mais je te rappelle, OK? Laisse ton cellulaire allumé. Bye. Laisse ton cellulaire allumé. Si je fais, là, hein? M'en va chez nous, j'attends que tu me rappelles, c'est ça? Là, si peux-tu, Asti, se rendre à 50 ans pour attendre dans son appartement qu'une fille veuille l'appeler? Pas fort, ça, Gagnon. Il aurait honte de toi, là. Un ticket. Juste un ticket, la radio lâche pas, la TV non plus. Check bien ça demain, le gros splash d'un journaux. Y'a pas moyen de me sortir de Québec. Ben, c'est pas mal plus compliqué quand on revient de signer un contrat de quasiment 20 millions. Mais ça va pas partout. Annie qui revient demain, j'ai 9 messages d'elle, ça a l'air que mon ticket, là, c'est la grosse affaire en Abitibi. Ils ont pas des usines qui ferment là-bas, ils ont pas d'autres choses, ils ont pas d'autres problèmes dans la vie. Toi, t'as pas d'autres problèmes dans la vie? Quand, hein? J'suis arrivé 10 minutes en retard à une pratique. Pas la fin du monde. Comment ça va, le reste? Ton père? Ah, oh, il s'amuse avec son building puis ses loyers. N'oublie jamais que c'est ton building, hein? Quand ça va prendre des investissements, ça va être ton building, crois-moi. Annie? Ça va, on va se marier. Ça a l'air de te tenter? Pas vraiment. Ça brosse pas mal, c'est en site. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas heureuse? Non, c'est pas elle, c'est moi. J'ai rencontré une fille. Alors, on passe sa vie à rencontrer des filles. Celle-là, c'est pas comme les autres. L'enfer,
C'est incroyable. L'enfer. Ouais. Puis t'es pas capable de t'empêcher de brûler? C'est un prof d'université. Pour un gars qui a pas fini son cégep, c'est un gros challenge. T'es en train de rire de moi, toi? T'as dit, c'est la plus sexy, la plus. La meilleure. Sacrement, il y a pas de mots. Ouais, toi, là-dedans, là. Comment tu te sens? Je me dis que Annie, je l'aime, c'est ma blonde, c'est une maudite bonne fille. Je veux pas y faire de la peine. Mais t'arrêtes pas de penser à l'autre, c'est ça? Toi, mon gars, t'es dans le trouble. Le gros trouble. Et je te dis, je suis pas capable de dire non. Quand on m'appelle, je ferai n'importe quoi pour la retrouver. Ah. Écoute, là, Danny, pour commencer, là, tu vas en parler le moins possible. Québec, là, c'est un village. Pour le reste, là, quand ben même je te dirais que tu vas frapper un mur, que tu vas payer de gros prix, tu m'écouteras pas. C'est la passion de la passion, là, c'est une maladie. Je suis pas le Doc Mayou, là, mais j'ai une bonne idée de ce que tu veux. Mais surtout, c'est en classe. Il faut que tu te défonces, il faut que tu joues, il faut que tu sois encore meilleur. Comme ça, au moins, t'auras pas des problèmes partout en même temps. Mets-toi pas de mes affaires, puis ça va être parfait. Tu me dirais s'il y avait quelqu'un d'autre. Tu me dirais. Je vais être fière de toi. Marc, c'est moins compliqué que de causer d'un beurre, hein? Mm. Qu'est-ce qu'elle écrit, elle? J'aime les bonnes choses de la vie. Ah, ça, c'est bon, ça. Les bonnes choses de la vie, ça, c'est le sexe, c'est le party, ça. C'est bon pour toi, ça. Fille de party, là. Ouais. Ça va faire un changement. Je fais carrière dans le commerce. Jeune quarantaine sportive. Sportive? Bobodé. C'est bon pour toi, ça. Ouais. Hein? Bon, qu'est-ce que tu vas lui dire, à ça? Bon, là, j'y réponds que j'ai 50 ans. Ouais, ça, c'est pas fort. Je suis sportif. Ben non. Bon, dis pas que t'es sportif. Tout le monde le sait que t'es sportif. T'as joué au hockey toute ta vie. D'abord, enlève ton alliance, là. Hein? Ça part mieux. Puis mets-en un peu. Dis que t'as gagné la Coupe Stanley. Oui, on dort. Ben non, mais y a personne qui a gagné ça, la Coupe Stanley. T'étais capitaine de l'équipe. T'es plein. T'as une grosse maison. T'es en forme. T'as pas peur de te déshabiller, lumière ouverte. C'est important, ça. T'es certain, toi. Ben voyons, qui c'est qui a l'expérience? Oui, mais oh! Excuse-moi. Allô? Suzy? Ah, je pensais que tu m'avais oublié. Non, tu me déranges pas, je suis avec Bob. Bob Martin. Ouais, on travaille un peu. Tu vas me rappeler? OK. Veux-tu mon numéro à la maison? As-tu un crayon? OK. 555-2424. OK? N'importe quoi. Non, je dormirai pas. Je vais attendre ton appel. Toi, ça va? Ouais, OK. Tu me compteras ça. Aha! All right! Hein? Elle m'a appelé, c'est Suzy qui m'a appelé? Ah, t'es tombé sur la tête. Hey, Bob, ça m'a appelé. Ça veut dire qu'elle pense à moi? Bob? Le gros 747 vient de décoller, puis ça va flyer! Fly me to your room! En d'autres mots, elle s'en vient! Bonsoir, mesdames et messieurs! La direction est fière de vous présenter le seul joueur de clavier et d'ordinateur. Oui! Habituellement à Las Vegas, exceptionnellement à Québec. Pour faire son lavage. Tu veux savoir c'est quoi, ma vie? Ben oui, une jeune prof avec une Mercedes de 200 000 piastres, une maison comme ça, c'est pas normal. Je pourrais avoir des parents super riches. Ils sont décédés, tu me l'as déjà dit. L'assurance vie, t'en fais quoi? Ah. On pourrait passer du bon temps ensemble, mais tu veux rien savoir. Pourquoi on se fait pas un petit souper avec une bouteille de vin, faire l'amour, c'est tellement le fun ensemble. Tu vas comprendre. T'es prêt? Où c'est qu'on s'en va? Tu vas voir. T'as mal chier. Le national va faire un autre effort. Il t'aura pas les bonnets que tu voulais. Merci, Nuno. Merci. Puis le beau veut pas bouger. Pas question de trouver ton contrat. J'ai 10 buts dans les séries. Saves-tu ce que c'est, 10 buts dans les playoffs? Marc Gagnon, on a déjà scoré 15. Je pense qu'il y a une bonne idée. Hey, pourquoi il me traite comme un pas bon, bon? Je sens, si, je sens qu'il cite, là! Il a pas confiance. Je trouve que pour un alcoolique qui est supposé être en thérapie, tu te tiens dans des endroits dangereux. Calme. Nounou est pire qu'il se salue au DSS. Tout en train de boire ses maudits jus de fruits. Là, je suis capable de me contrôler.
raisonnable pendant la dernière saison. Je comprends. Mac Templeton a passé l'année à tenir loin de la bouteille. Je suis pas sûr qu'il va avoir le temps cette année. Maxime, mon chou, tu m'as promis de finir la veillée avec moi. Ça sera pas long, ma pitoune. Hey, ton gros loup va aller te manger. Hey, qu'est-ce qu'il veut, lui? Pas grand-chose. On essaie juste de régler un contrat de 2 millions pour que le grand méchant loup puisse manger sa petite brebis. Hein? Mais t'apprendras que je suis pas une brebis. J'étais une trépanier. OK, ris de moi, là. Mais fais quelque chose. Non. Il rit pas de toi, là. Regarde. On va m'attendre dans le coin, là-bas, là. Commande-toi un quai royal, puis j'arrive. OK? Toi, t'es fin. Ouais, je suis fin, hein? Bye, mademoiselle Trépanier. OK, c'est correct, là. Hein? Je marierai pas, OK? On s'entend là-dessus? T'es sûr? Je suis sûr. Bon. OK, qui c'est qu'on fait? Tu veux des bonnets? Oui. T'embauches un entraîneur privé. Tu te mets au Gatorade. Tu patines 2 heures à tous les jours. Puis tu fais un effort avec les journalistes. Non. Pas les journalistes, ils m'écœurent déjà. Il faut que le monde sache que t'es impliqué, là. Puis que la nationale est injuste à ton endroit. Mais je peux rien faire. Si t'as recommencé avec ton poison. Dernier soir. Moi, toujours m'en virer une tabarnak. Oh. Hey, quand tu seras dessoulé, là, tu m'appelleras. Le casino. T'avais beau besoin de porter une robe longue et faire tant de grands mystères pour venir ici, là. Je connais ça. Je suis une professionnelle, Danny. Professionnelle? Une joueuse professionnelle. Je gagne ma vie avec le gambling. Le reste, l'université, l'enseignement, c'est secondaire. On trip. Mon vrai trip, hein? Tu vas voir. Attends, mais c'est parce que moi, je suis un peu mêlée, là. Qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? Toi, t'es un imprévu. J'aurais pas de place pour Danny Bouchard, mais j'étais dans la peau. Tes beaux grands yeux me font craquer. Bon, tu me suis, tu parles pas. J'ai prévenu le casino que tu serais là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde est arrivé. Bonsoir, Monsieur Bouchard. Bonsoir. Monsieur Danny Bouchard va passer la soirée avec nous. On va se contenter d'observer. La direction est d'accord. Elle vous fait confiance. Bonsoir. Bonsoir, je suis le cher Abdelhamid Chalash. Si mademoiselle joue aussi bien qu'elle est superbement jolie. Monsieur Labruyère, ce sera un plaisir de perdre contre vous, madame. Les cartes vont décider pour nous, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs. Bonsoir à vous tous. Bienvenue au Casino de Québec. Puisque tout le monde est maintenant arrivé, on va pouvoir commencer. Messieurs, dames, la maison est prête à changer votre argent. Mon salle du casino à Montréal a bien suivi. Bien sûr, mademoiselle Nantel. C'était l'invitation, donc vous connaissez les règles. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de limite à la table. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, bonne soirée.
puis continuer. Je suis désolé. Continuons. Je veux jouer, moi. Danny, c'est pas ce que tu penses. J'ai tout le temps été chanceux dans la vie. La maison va vous avancer 50 000, Monsieur Bouchard. C'est de l'argent garanti, j'ai signé un bon contrat. On le sait. On est en quelque sorte des gros actionnaires du National. Hey, what is going on here? Are we playing or not? Wait for the kid. À l'instant, monsieur.